Yo les amis, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien. La vidéo est déjà en cours, elle se comporte bien, mais je suis vraiment, vraiment pas content. Je suis vraiment, 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 vraiment pas content de ce que je me suis aperçu il y a quelques minutes. Donc je tenais comme ça à faire cette vidéo-là pour rectifier le tir. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, Arachiné marche fort. C'est vrai qu'actuellement, Arachiné mousse, comme on le dit. Mais vraiment, ce que j'ai bien écouté là me plaît. Vraiment, vraiment pas. Voilà. C'est vrai que j'ai fait le montage vidéo, mais j'avais pas fait attention à cela. Voilà. Parce que je percevais pas bien les paroles des vidéos dont je me suis procuré pour faire mon montage vidéo. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si j'ai fait cette vidéo-là, c'était pas pour faire de la comparaison, c'était pas pour frustrer qui que ce soit. C'était juste pour montrer que Arachiné avait fait un très bon spectacle. Voilà, c'est à cause de la foule qu'il y avait eu à l'intérieur du Zouglou que j'ai fait cette vidéo-là. Donc, regardez bien cet élément et on se prend juste après le jingle. De toi, tu n'as qu'à le dire et je serai là. Voilà, vous avez bien écouté, vous avez bien écouté avec moi et je tenais vraiment et sincèrement à m'excuser parce que Dieu seul sait, j'ai pas fait attention. Voilà, j'ai vraiment pas fait attention. J'ai fait la vidéo pour montrer aux yeux du monde que Arachiné avait fait un très 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 bon spectacle à l'internat du Zouglou, que j'étais vraiment 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 été bourré à craquer. Mais apparemment, cette phrase que le public est en train de dire haut et fort là, est un peu déplacée. Voilà, à qui la faute? À Arachiné ou à ce public? C'est vrai qu'il n'est qu'un simple artiste qui preste et la foule communique avec lui. Mais franchement, c'est des choses qui font un peu mal. C'est des choses qui fouettent l'orgueil. Parce que je n'ai pas fait mes vidéos dans l'intention de choquer quelqu'un. Honnêtement, faut que je le souligne. Je n'ai pas fait ma vidéo dans l'intention de choquer quelqu'un ou même de blesser quelqu'un. Non, pas du tout. Voilà, je prends Dieu en témoin. C'était juste pour montrer combien de fois Arachiné avait réussi son spectacle. Mais cette petite partie-là vient tout gâcher. Et là, vraiment, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et c'est pas intéressant. Vous savez, vous pouvez ne pas me croire, hein, mais ce genre d'acte-là envenime la situation. Moi, voilà ce que je fais. Moi, je viens juste dire que Arachiné a fait un très beau spectacle. Arachiné a réuni beaucoup de monde. On me dit souvent en commentaire, vous ne pouvez pas dire le commentaire d'aujourd'hui sur ma vidéo que j'ai balancée ce matin-là. Que non, l'internat du Zouglou, c'est un coin qui se remplit toujours. Oui, c'est un coin qui se remplit toujours. Mais le propriétaire même du coin a reconnu que son coin n'a pas été aussi bourré à craquer comme à l'événement de Arachiné. C'est vrai que c'est un lieu public où l'entrée n'est pas payante, mais il faut reconnaître que le petit a drainé vraiment, vraiment du monde. Mais ce qui vient gâcher cette histoire-là, c'est ce que vous venez d'entendre là. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, déjà que l'atmosphère est un peu tendue, voilà, déjà que l'atmosphère est un peu tendue, il y a d'autres qui essaient de comprendre ce qui se passe, il y a d'autres qui essaient de comprendre les vidéos que je fais pour essayer de calmer le jeu, il y a d'autres qui interprètent autrement, comme quoi je suis en train de comparer les deux hommes. Et franchement, au regard de cette vidéo-là, je sors un peu. C'est comme si j'avais honte en fait, voilà, parce que j'ai écouté les vidéos vite fait. J'ai fait la vidéo parce que j'ai vu le monde, j'ai vu la communion entre Arachiné et ses fans. Mais j'ai pas fait attention à cette partie-là, franchement. Honnêtement, j'ai vraiment fait pas attention à cette partie-là. Et moi, cette partie-là me dérange beaucoup. Voilà. D'autres vont dire quoi? Tu pouvais, comment je vais dire ça, à la limite, ne pas filmer ça. Voilà, ne pas filmer ça. Mais d'autres vont dire que c'est de ta faute. Moi, je dis que c'est pas de ta faute. Même si je suis pas content de cela et je suis pas content de toi. Voilà. Parce que même quand la foule criait, tu pouvais sortir un truc pour montrer à la foule que oui, c'est vrai, actuellement, vous êtes pour moi. Je mousse. Vous êtes content parce qu'on est en train de faire un bon spectacle. Mais franchement, évitez ça. Parce que j'ai entendu, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. C'est comme dit Jean, les gars ont fini de dire. Et comme tu sais que si tu ne parles pas, ça va créer des histoires. Tu te sentais obligé de dire c'est bon maintenant. Franchement, sur ce côté-là, moi, je n'ai pas été d'accord avec Arachiné. Je sais que ce n'est pas de sa faute. Voilà, c'est pas lui qui a demandé à la foule de crier comme ça, de dire ce qu'ils ont dit là,
Mais il pouvait dire clairement dans le micro que, hey, les gars, non, je ne suis pas d'accord avec ça, arrêtez ça maintenant. Voilà, on est venu pour faire le spectacle, on fait le spectacle, point barre. Vous comprenez un peu, non? On fait le spectacle, point barre. Voilà, et ça peut créer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a un truc que tu dois comprendre. Quand je dis tu dois comprendre, je veux parler de Arène Chennai et de son staff. Nous, on vous dit de faire votre musique, de vous concentrer sur votre carrière, la carrière de votre artiste, de ne pas répondre aux clashs, de ne pas répondre aux pics. Mais en même temps aussi, ce sont des genres de choses qui peuvent gâcher votre raison. C'est comme si toutes ces personnes qui disent que Arène Chennai est un artiste qui fait semblant. Il y a un artiste qui est en train de provoquer celui qui est en face de lui, celui qui vraiment lui envoie des pics. On peut dire que c'est vrai. On peut dire vraiment que c'est vrai. Moi, j'aurais aimé que Arène Chennai dise clairement dans le micro, arrêtez ça. Voilà, je pourrais même, j'aurais même préféré entendre Arène Chennai numéro 1, Arène Chennai numéro 1. Je préfère. Ça, c'est votre choix. Mais quand vous dites, tant chaud, tant chaud, je ne veux pas dire le nom, mais ça fait fâcher. Ça fait vraiment, vraiment fâcher. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour dire que je suis vraiment pas content. Voilà. J'ai fait ma vidéo pour montrer aux yeux du monde qu'Arène Chennai a fait un très, très beau spectacle, un très beau spectacle à l'intérieur du Zouglou. Mais cette partie-là, vraiment, ça vient tout gâcher. Et puis, j'ai pas senti l'intervention même de l'artiste. Voilà. J'ai senti qu'il était un peu nonchalant sur l'intervention. C'est comme s'il était content d'entendre ça. Et comme il savait que ça allait faire beaucoup jaser, il se sentait, je me disais, obligé de dire aux gens de se calmer, de se calmer. Les amis, moi, je suis pour la justice. Voilà. Je suis pour tous les artistes coupés, décalés. Si je défends tous ces artistes-là, c'est parce que je trouve que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Voilà. Actuellement, je n'ai pas de parti pris. Voilà. Je dis simplement qu'il ne faut pas attaquer pour rien Arène Chennai. Mais en même temps, il a fait un truc que je viens de remarquer qui ne m'a pas plu. Il devait intervenir clairement. Les amis, honnêtement, hein, vous savez que moi, je ne suis pas gauche-gauche. Ça, là, ça ne m'a pas plu. Et de la même manière que j'ai fait la vidéo tout à l'heure pour applaudir son spectacle de l'intérieur, c'est comme ça que j'ai fait cette vidéo-là pour décrier ce qui s'est passé là. Il devait dire clairement, les amis, je ne veux pas entendre ça, ou bien les fans, tuez le discours, tuez le discours. Mais, ah, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. On entend bien dans la vidéo, c'est pas intéressant comme ça, c'est pas intéressant comme ça. Ne donnez pas raison aux gens, voilà. Parce qu'on dit que vous faites les choses dans le noir. Comme nous, on n'a pas encore vu ça. On dit que non, vous êtes blanc comme neige. Mais quand ce genre de situation se présente, et puis vous n'êtes pas fichu, vous n'avez pas le courage de dire clairement à cette foule-là de se calmer, c'est pas intéressant. Et là même, c'est un petit bout. Je sais qu'ils ont fait ça pendant quand même un bon nombre de minutes. Et ça, c'est pas intéressant. Voilà. En même temps, pour répondre aussi à ces personnes qui disent que l'internat est toujours rempli, comme quoi Arène Chennai n'a rien fait d'extraordinaire. Je voulais vous dire d'arrêter d'être jaloux. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un déraillement pendant son spectacle, mais les fans qui étaient là, ils étaient pour Arène Chennai. Ils étaient venus écouter Arène Chennai. Ils étaient venus voir les artistes en live. Voilà, c'est très important de le mentionner. Parce que s'ils n'étaient pas venus voir les artistes en live, on n'allait pas entendre ce qu'on entend, tout ce qui, moi, me plaît pas, qui m'énerve actuellement, là. Franchement. Voilà, arrêtez ça aussi. Parce que c'est à cause de vous aussi là que peut-être ces fans-là voulaient vous lancer un message pour à la limite, vous lancer des pics. Voilà, parce que ce n'est pas l'artiste qui a demandé à cette foule-là de s'exprimer ainsi, bien qu'il pouvait intervenir clairement pour leur dire qu'il n'est pas dans ce genre de débat, dans ce genre de discours-là. Bien qu'il pouvait le faire. Voilà, si je dis j'ai un collègue qui a enchaîné, c'est parce que je me dis que. Il n'a pas vraiment, vraiment intervenu. Voilà. Il a pas été clair, il n'a pas été ferme avec son public. Comme quoi, on passe à autre chose, je ne veux pas entendre ça. Non, je ne veux pas entendre ça. Il devait mon mentor, il devait mon mentor, je ne veux pas entendre ça. Mais sa réaction était trop timide sur le coup. Et franchement, il fallait que je me prononce. Il fallait vraiment, vraiment que je me prononce. Je n'ai pas aimé du tout. Voilà. Et vous qui passez votre temps à vouloir rabaisser les sorties de ce petit-là, Dieu va toujours vous mettre la honte dessus. Voilà, c'est pas pour vous que je fais cette vidéo-là, hein. C'est pour cette personne-là qui me suit pour ce que je dis, pour cette petite vérité que je dis dans ma vidéo. Mais c'est pas pour cette personne-là qui essaie toujours de rabaisser le travail d'autrui ou bien de se moquer d'autrui. C'est pas pour vous que je fais cette vidéo-là. Franchement, il faut revoir ça. C'est pas du tout intéressant. Arrête, je n'ai vraiment pas apprécié cette partie-là. Je n'ai pas du tout apprécié cette partie-là. Hein, chef fan, vous allez m'excuser. Mais j'ai pris le temps de bien écouter cette petite séquence vidéo, c'est pourquoi je me prononce ainsi. Ne le prenez pas en mal, mais je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord avec ça. Que cela ne se reproduise pas. Ou bien même si cela se reproduise, bien que ce n'est pas la faute de l'artiste, faut qu'il le dise clairement. Faut qu'il le dise clairement.
on te sait humble, on te sait correcte, on te sait pas gauche-gauche. Donc, il faut toujours montrer aux gens que c'est pas toi qui provoque. Voilà, c'est très important. Parce que cette petite vidéo-là m'a pas plu. J'étais vraiment dessus. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment dessus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se prend demain.